Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, comme vous l'avez lu dans le titre, j'arrête Snapchat. Et oui, pas d'inquiétude si vous pensez que j'allais arrêter la chaîne YouTube, bien au contraire. En réalité, petit message, j'arrête tout simplement mon compte et je vais fermer mon compte Snapchat. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'aime pas l'ergonomie de l'application, je n'aime pas l'application en elle-même, le système de messagerie où les messages s'effacent, même si je sais qu'on peut les enregistrer. Ça me plaît pas spécialement. Je préfère de loin Instagram ou Facebook pour dialoguer avec vous. Je sais pas pourquoi, le feeling, l'ergonomie de ces deux applications, je préfère largement. Surtout Instagram, que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà, pas d'inquiétude si vous pensez que la chaîne YouTube allait s'arrêter. Fallait bien que je fasse un titre putaclic un peu. Le compte Snapchat sera fermé prochainement, mais vous pourrez toujours me retrouver sur Facebook ou Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter. Bref, passé cet aparté, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie expliqué. Un tour de magie de cartes vraiment très sympa. Et comme d'habitude, on se retrouve avec la démo et derrière l'explication. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo, et pour ce tour, normalement, j'ai besoin d'un spectateur. Étant donné que je n'ai pas de spectateur, je vais jouer le rôle du spectateur et du magicien. Alors, dans la routine, vous allez voir qu'à un moment, je vais prendre connaissance d'un nombre que, normalement, seul le spectateur est censé connaître. Pas d'inquiétude, ça n'influence en rien, ça m'aide en rien en tant que magicien pour le déroulement du tour, vous le verrez dans les explications. Mais voilà, je le spécifierai clairement. Mais comme je n'ai pas de spectateur, je suis obligé de faire comme ça. Mais vous verrez, le tour reste quand même killer. Donc pour la routine, vous allez pouvoir utiliser un jeu de cartes que vous pourrez emprunter, donc, et vous pouvez laisser même à mélanger au spectateur, il n'y a aucune préparation. Et par la suite, vous allez tout simplement inviter le spectateur à prendre un paquet de cartes. Alors peu importe le nombre, voilà, imaginons qu'il prenne un paquet comme ceci. Et c'est là qu'en fait je vais jouer le rôle du spectateur. Mais normalement le spectateur va récupérer ce paquet et va compter le nombre de cartes qu'il a prises. Alors moi ce nombre je ne suis pas censé le connaître, je peux être tourné, ne pas regarder, vraiment c'est important. Ici je vais le faire parce que j'en ai besoin pour la continuité du tour, mais normalement c'est le spectateur qui fait ça. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cartes. Donc ça, moi je suis pas censé connaître le nombre de cartes, c'est le spectateur qui le fait dans son dos par exemple. Et ensuite il revient, il me rend le paquet. Moi je récupère ce paquet, je vais l'imbriquer tout simplement dans l'autre comme ceci. Voilà. Et là je vais demander au spectateur de choisir une carte. En fait je vais effeuiller le jeu, il me dira stop vraiment où il le désire. Imaginons ici, voilà, peu importe. Là la carte, il la mémorise. Ici la carte du dessus, la carte du haut. Là moi je suis pas censé la connaître, je la connais pas d'ailleurs, je la vois pas. C'est celle-ci, ok. On repose ici. Et ensuite, vous voyez, on peut montrer qu'il y a des cartes toutes différentes ici. On peut montrer qu'il aurait pu choisir une par ici, par là, ou peu importe, ou ici, ou dans ce paquet. Peu importe, ça, personne ne le sait. Seul le spectateur est au courant. De là, une carte a été choisie. Un paquet de cartes a été compté par le spectateur. Moi, dans l'absolu, je ne sais absolument rien. La seule question que je vais poser au spectateur, c'était de me dire quel est le nombre de cartes qu'il avait tout à l'heure dans les mains quand il a récupéré. Donc ça, c'est que lui qui peut le savoir. Il me le donne maintenant. Donc moi, je le sais, c'est 14. Regardez bien, je récupère le jeu et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14e. Une de plus, on aurait été sur le 3 de cœur. Là, que des cartes différentes. Une de moins, on aurait été sur le 10 de trèfle. Et toutes les cartes également sont différentes. La seule carte qui se trouve au rang que le spectateur avait dans les mains, c'est le roi de carreau. Je pense que c'est la carte choisie. On se retrouve pour les explications. Alors vraiment, ce tour est vraiment simple d'utilisation, vraiment simple à réaliser. Et pourtant, l'effet, il est killer. Vous allez pouvoir utiliser le jeu d'un spectateur que vous pourrez emprunter et mélanger. Et le faire mélanger par le spectateur, il n'y a aucune préparation. A partir de là, vous invitez le spectateur à prendre un paquet de cartes. Peu importe, il faut que ce soit un petit paquet de quelques cartes, vraiment, on va dire entre 10 et 20 cartes. Ça peut être pas mal, c'est le mieux. Donc il prend vraiment où il veut. Imaginons qu'il prenne, voilà, comme ceci. Il peut en prendre un peu de partout. Il prend ce paquet, vous récupérez ce qui reste. Et ce paquet-là, il va dans son dos où vous vous tournez, compter le nombre de cartes. Vous, ce chiffre, vous ne le connaîtrez jamais jusqu'à la fin du tour. Donc, il compte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 cartes. Donc, il vous rend le jeu. Vous récupérez ce jeu-là. Et vous allez imbriquer comme ceci. Donc, tenez comme ceci. Le jeu du spectateur dans le vôtre. Ici, comme ceci. Alors c'est une sorte de faro, pas la peine que ça soit parfait, hein. Vous voyez juste que ça s'imbrique, voilà, comme ça, voilà, peu importe, voilà. Donc là je suis dans cette tenue là, et là je vais dire au spectateur de me dire stop quand il désire, et regardez, avec le pouce je vais tout simplement effeuiller, donc je mets mon majeur ici pour tenir, et j'effeuille comme ceci, et il me dit stop quand il veut. Alors c'est important, si j'avais moins de cartes, d'effeuiller de façon à ce que le spectateur me dise stop, quand l'effeuillage atteint les cartes qui sont en arrière, celle-ci.
si c'est pas, imaginons, si je m'arrête avant, c'est pas bon. Alors ici, le paquet est vraiment important, donc ça facilite la chose. Mais s'il avait choisi moins de cartes, il aurait fallu aller jusqu'à la zone où il y a des cartes ici. Donc imaginons qu'il me dit stop, peu importe. Ici, par exemple, stop. Regardez, la mienne vient comme ceci. On récupère là, à l'endroit. Et on montre ici, on lui demande de mémoriser la carte du haut. Donc ici, c'est un as de cœur. Vous montrez le au spectateur, il mémorise. Et là, vous basculez comme ceci. Donc la carte est ici. Vous la positionnez par-dessus. Et regardez, avec le petit doigt, là, ici, je garde un break sur l'ensemble des cartes, vous voyez, que j'ai posées. Là, je viens, en fait, récupérer toutes les cartes supérieures, comme ceci, qui, ça va tourner autour du majeur. Comme ceci, je dégage. Hop. Et ensuite, je peux retourner et dire que c'était... Tu as choisi une carte peut-être qui aurait été parmi celle-ci. Et là, j'ai toujours mon break et je vais prendre quelques cartes et je dis ou parmi celle-ci, je retourne. Ou parmi celle-ci, jusqu'au break. Vous voyez, hop, jusqu'au break. Quand j'ai posé jusqu'au break, il me reste des cartes en main. Je peux retourner également et dire ou parmi celle-ci. Et là, regardez bien, je vais me servir en fait de cette carte comme d'une pelle pour faire passer tout le paquet en dessous. Pour récupérer l'ensemble très facilement. Hop. Et je retourne. Et j'égalise. En faisant ça, j'ai positionné la carte du spectateur au rang des cartes qu'il avait dans les mains. Sans savoir le nombre de cartes qu'il avait. C'est ça qui est très 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 fort. Donc là, en réalité, j'ai positionné la carte, l'as de cœur, en 21e position, sans le savoir. Maintenant, je pose la question au spectateur. Quel était le nombre de cartes que tu avais en main? Il va me dire 21. J'apprends pour la première fois ce nombre. J'ai plus qu'à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, c'est l'as de cœur. Et ça marche tout seul. C'est un truc de fou parce que tout peut être examiné dans un instant même. Hein. Ça fonctionne tout seul. Et pourtant, c'est un vrai miracle pour le spectateur. On revoit ça encore une fois. Alors regardez bien. Hein. Donc le jeu est mélangé. On demande au spectateur de prendre un paquet. Peu importe. Imaginons celle-ci. Il les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça, moi, je ne suis pas censé le savoir. On récupère. Je récupère le paquet. J'imbrique comme ceci. Voilà. On demande au spectateur de me dire stop quand il le désire. Alors imaginons stop ici, on lui montre la carte. Ici c'est un 2 piques. Ok, on repose. Je garde bien entendu le break. Je récupère ici les cartes. Je lui dis tu aurais pu choisir parmi celle-ci ou parmi celle-ci aussi. Ou tout simplement parmi celle-ci ou celle-ci. Hein, on ne sait pas. Hein. Ou même celle-ci. Hein. Ça c'est le hasard qui déterminera la chose. Et là par la suite... je pose la question au spectateur, quel est le nombre de cartes que tu avais en main? Il me dit 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on est sur le 2 de pique. La carte choisie et tout est examinable instantanément. Donc voilà, un effet vraiment très impressionnant qui ne nécessite pas vraiment beaucoup de technique au final. Une petite prise en main sur le fait de rentrer les cartes, le petit break, de ressortir les cartes, voilà, ça se travaille, mais ça prend pas vraiment beaucoup de temps à maîtriser. L'effet est vraiment killer, le spectateur il se demande vraiment comment c'est possible puisque le chiffre, c'est impossible que vous puissiez le connaître et pourtant la carte se situe à la bonne position. C'est totalement automatique, donc voilà, j'espère que ce tour vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver sur mon école de magie la base de la magie en pièces ou en cartes et quelques tours également. Tutomagie.fr, c'est 100% gratuit. Et également me retrouver sur les réseaux sociaux, maintenant exclusivement avec Facebook et Instagram. Voilà les deux réseaux sociaux que j'utilise. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.